Ugavu, ici Fouine. Aujourd'hui, nous allons essayer de devenir le ninja de la manette avec Shadow Warrior ou Ninja Gaiden. De toute façon, c'est le même jeu. Allez, on va commencer. C'est parti. Alors, ce premier niveau. J'allais dire qu'il était simple. Justement, quand je vais le faire en live, quand je vais le faire sur YouTube, que je le rate. Quand on veut, et voilà. Un ninja est capable de vider le temps pour mieux avancer. Oh, je suis bien ici. Ça va, toi, en bas? Ça sur NES c'était classe, les cinématiques. Thank you.
pote. Je vais me suicider! Youpi! Heureusement que. Pas d'intelligence artificielle de. Des ennemis, mais par contre. Vous allez voir. Ils sont, comment dire. Chiants. Bip. Mais comment est. Non, mais sérieusement. Là, je vais vous montrer au ralenti. Là. C'est pas possible. Ça a traversé sa tête. Je suis encore, regardez. Oui, oui, oui. Oh, ta gueule. Alors là, ok, là, faut que je vous explique un truc. Là, je suis en train de jouer avec une manette Xbox 360. Je n'arrive pas à la configurer pour que ce soit. Hop. Je n'arrive pas à la configurer pour que ce soit les joysticks pour contrôler le personnage, donc du coup je fais avec la croix. Et la croix de manette de Xbox 360, c'est de la merde. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur l'échelle. Malencontreusement, j'ai appuyé sur une touche de direction. Une touche de direction autre que le bas. Donc, du coup, il a cru que je suis tombé dans un trou. Il y a des courses. Et j'ai plus de vie. Et là, d'habitude, j'ai toujours une arme pour m'en sortir, mais allez, hop! Oh, heureusement que ça. YOLO! Oh la putain! Ah, si vous les voyez apparaître, c'est que. Pour avoir une petite explication. J'arrive dans une zone où dans la programmation ça dit ici ça spawn un ennemi et comme je le détruis il y a conflit avec ça donc il dit mais il n'y a pas d'ennemi donc il faut que je fasse spawner donc du coup des fois on a des ennemis à l'infini.
j'explose! Parce que oui, quand on reçoit un coup de sabre mortel, on explose. Pourquoi cette femme a-t-il sauvé Ryu? Pourquoi a-t-il obtenu cette statue? Quel secret renferme cette statue? Vous saurez dans le prochain épisode de Shadow Warrior.